Attention, ne t'approche pas plus, Mila. C'est un œuf de crocodile. Aïe! Je suis désolée, Morphle. Je ne sais pas où on va chercher d'autres œufs. Ah, Kenneth, la personne dont j'ai besoin. J'ai arrêté un lapin qui a jeté des déchets. Il laissait tomber des œufs dans toute la ville. Mais franchement, je ne sais pas quoi lui donner à manger. Eh bien, des carottes devraient faire l'affaire. Oh, allons voir ça, Morphle. Oh, c'est le lapin de Pâques. Officier Freeze, vous avez arrêté le lapin de Pâques. Vous devez le laisser partir. Je ne peux pas faire ça, Mila. Ce lapin est le plus gros pollueur du monde. Il laisse ses ordures partout dans la ville. Et ça, c'est un crime. Mais... Hé, le lapin donne un sac à dos. Tu veux qu'on cache ces œufs de Pâques pour toi parce que tu ne peux pas le faire? Alors tu peux compter sur nous. Transforme-toi en hélicoptère, Morphle. Encore des œufs. On ne bouge plus, Mila. Ah, je suis très déçu par vous deux. Vous jetez des ordures partout. Et vous savez que c'est un crime. Mais nous ne jetons pas de déchets. Ce sont des œufs de Pâques. On ne les laissera pas traîner parce que les enfants de toute la ville les ramasseront. Ils sont plutôt jolis, en fait. Je peux en avoir un autre. Seulement si vous le trouvez en premier. Désolé de t'avoir arrêté, lapin de Pâques. Je n'avais pas réalisé que tu laissais des œufs magiques pour tout le monde. Wow! Chocolat!